Comme je disais, aujourd'hui dans notre leçon de lecture, nous allons apprendre les syllabes et les mots contenant la lettre J. La lettre J. Il y a trois façons d'écrire la même lettre, mais ça se prononce de la même façon. J. La lettre J. La lettre se nomme la lettre J. C'est la lettre J. Mais qui va se lire J? Son nom, c'est la lettre J. Mais en lecture, nous n'allons pas dire J. Nous allons dire J. Ok, les amis? Et alors, lorsque je prends J, j'ajoute I. Comme vous avez vu là-bas, je vais dire J. J. Et quand je prends J, j'ajoute U. Je vais dire Ju. Ju. Je prends J, j'ajoute la voyelle O. Je vais dire Jo. Jo. Je crois que vous me suivez très bien, les amis. Je prends la lettre J. J'ajoute la voyelle A. La voyelle A. Je vais dire Ja. Ja. Et lorsque je prends J, j'ajoute la voyelle E. Je vais dire je. 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 Regardez ici, je prends J. J'ajoute E. J'ajoute E. Je vais dire J. J. Je prends J. J'ajoute E. Je vais dire J. J. Je prends J. J'ajoute E. E. Je vais dire J. J. Je prends la lettre J. J'ajoute. Nous avons dit la fois passée que cette lettre ici se nomme la lettre Y. Mais qui se lit I. J'espère que vous vous souvenez de cela. Ok, très bien. Alors je prends J. J'ajoute I. Je vais dire J. J. Très bien, les amis. Maintenant, à votre tour de lire les syllabes qui sont au tableau l'un après l'autre. Yangebeli, lève-toi, lis la première syllabe. Très bien, Yangebeli. J. Très bien. Wangani, deuxième syllabe. Là. Allez-y, Wangani. J. Très bien. Lubelo, troisième syllabe. Très bien, Lubelo. Jo. Ok, je suis très content. Quatrième syllabe. Edith Masaka. Très bien, Edith.
Ja. La syllabe suivante. Fanikisa. Oui, très bien. Je. Encore. Je. Très bien. Malongi. Li ici. Très bien, Malongi. J'ai. Encore. J'ai. Mets-moi l'antenne. Allez-y. J'ai. Très bien. Encore. J'ai. Pataouli. Très bien, Pataouli. J'ai. Encore. J'ai. Et Benjamin. Lis la dernière syllabe. Très bien, Benjamin. J. Très bien, bravo pour vous. Très bien, les amis. Nous avons terminé avec les syllabes. Nous passons maintenant au mot contenant la lettre J. C'est la lettre J qui se lit J. Comme vous pouvez le remarquer là, chaque mot qui se trouve là-bas contient la lettre J. Et moi, je vais lire les tout et ensuite viendra votre tour. Suivez. La jupe. La jupe. Le jus. Le jus. Le javelot. Le javelot. Il jappe. Il jappe. Il jardine. Il jardine. Elle jacasse. Je lis encore. Elle jacasse. Le judo. Le judo. Un major. Un major. Julie. 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 Ok. Maintenant, c'est votre tour de lire les mots. Allez, Malongi, les premiers mots, lis. Très bien, Malongi. La jupe. Fanikisa, le deuxième mot. Ok. Le jus. Masaka, les mots suivants. Ok, Masaka, très bien, je suis très content. Le javelo. Wangani. Voilà. Voilà, très bien, Wangani. Il a très bien prononcé. Il javelo.
peur. Mwando. Très bien, Mwando. Il jardine. Kankou, tu lis? Très bien, Kankou. Elle jacasse. Oui, Nzolantima. Très bien, Nzolantima. Le judo. Kimenia. Ok, Kimenia, merci beaucoup. Un major. Très bien, Kimenia. Et enfin, Mikalu Kidi. Ok, Mikalu Kidi. Julie. Julie. Ok, merci beaucoup, les amis. Je suis très content, très fier de vous. Maintenant, je vous laisse lire à la maison. Ne regardez pas que la télé. Ne vous donnez pas seulement au jeu, mais il y a un temps pour le jeu, un temps pour la télé, mais beaucoup de temps pour la lecture et les exercices. Merci et au revoir.